à peau de phoque font que seuls Cédric et Bernard utiliseront les skis jusqu'au camp 2 vers 7100 mètres. Cédric monte à peau de phoque la pente qui mène au camp 1 vers 6300 mètres. Et on voit bien la trace. On voit Mick là-dessous là, qui arrive au niveau d'une crevasse qui est équipée avec une corde fixe, un petit bout de crevasse de rien. Voilà, la trace là, elle continue. Voilà le matos. Le sac, il est toujours aussi gros. Voilà, je viens d'arriver au camp 1, c'est le grand mauvais temps, il y a du vent, ça va tourner la tente, il neige, Mingmail est dans l'autre tente, là, Bernard c'est lui qui a le poste radio, et ben, je pense pas qu'il va monter ce soir, donc ben, j'espère que tout va bien se passer, et puis ça m'étonne que demain on aille équiper le camp 2, parce que le camp 2, putain, il n'y a pas de trace, puis faire la trace là-dessus tout le long avec les tentes et tout, ça va nous casser complet. Donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'on descende. Et puis, bon, enfin, la montée, ça s'est pas mal passé, mis à part que le sac était vraiment lourd. Le temps s'est levé. Mingma, il est dans la tente. Bernard n'est pas encore monté, donc il est 5h le soir. Je pense que Bernard va pas monter. On est arrivé tout à l'heure, donc dans la tempête, un peu, on voyait pas grand-chose. On voit donc au fond là-bas le lac qui est un petit peu avant le camp de base. Au sommet de la pente, il y a le camp 2, puis ensuite un long plateau qui mène au dernier camp, au pied de l'arête du Chicha. Sur le sommet qu'on voit là-haut. Il est 6h, on est en train de faire de l'eau pour manger, et Bernard, ben, il vient d'arriver, là, il y a un quart d'heure. La nuit tombe, en expé, on se couche tôt, vers 20h, et demain sera un autre jour. On est le 22, le matin, il est 8h30, 9h, je ne sais pas exactement, Bernard se prépare pour partir pour le camp 2. On a des sacs monstrueux, comme d'hab. Mingma, il est déjà parti, comme un avion. Il est là-bas, il a attaqué la côte. Alors bon, en plus, il faut tracer, alors... Voilà, Mingma il est là-bas et il lui reste encore tout ça à monter. Là, le camp là-bas en bas. Je viens de taper la partie la plus raide là. Tiens, le sac c'est l'enfer. C'est l'enfer. Là c'était un peu raide pour monter, il a fallu mettre les skis sur le sac. Là le sac, bon je vous en parle même pas. C'est des glissants. Je ne sais même pas si ça se dit, j'en sais rien. Là, je vais rattaquer à ski, à refaire la trace. Là, la trace qu'on voit, ben, c'est Mingma. Là, il reste ça. Après, ce sera de la traversée. Après, on doit sortir vers 7000. Et Mingma, là, il va aller sortir au colu. Là, je viens de sortir en haut de la pente au-dessus du camp 1. Putain, alors là, le sac, ça devient abominable.
Le lendemain, toujours du vent très fort en altitude, Pascal, Didier et Jacques partent compléter l'équipement du camp 1. Nous arrivons au camp 1. On vient d'arriver au camp 1 avec un grand vent. Alors comment t'as vu ? Dur dur avec ce vent. Dès que les autres descendent. Viens. Bon, on a croisé Richard, Fifi et Mima qui descendaient. Eux, ils sont examen et pas de coup pour pouvoir attaquer le sommet. Fifi dans sa belle combine. Cette fois, c'est parti pour le sommet, un premier groupe part dormir à 7200 mètres. Là-haut, il y a Mima, Passang et puis Richard. Après une nuit ventée au camp 1, direction le camp 2 avancé à 7200 mètres. La météo est plutôt bonne, mais les traces sont recouvertes. Arrivé au camp 2 avancé au pied du couloir Chamou-Vallée vers 7200 mètres. Dans la tente au camp 2 à 7150 mètres d'altitude, Passang en train de faire la cuisine, le fond de la neige, Mingma, il regarde, il nous fait un petit speech en népalais. Donc là, le vent il s'est calmé. Enfin, il suffit que je dise ça pour que ça se mette à souffler. Et donc demain matin, enfin cette nuit, on va se lever à minuit pour essayer de partir aux alentours de 1h du matin pour le sommet si le vent est pas trop fort. Ah, j'ai pas eu la force de filmer pendant la côte, je suis démoli. J'ai plus de force. Il y a la tente du Néo-Zélandais ou des Russes, je sais pas. Mig. Le Néo-Zélandais, eh ben, il est en train de monter pour le sommet là. T'as la montée du camp 2 au camp 3. Là moi je suis en train de redescendre, il y a Mingma là-bas un peu plus bas. Puis ça c'est le groupe Terre d'Af qui monte au camp 3.
Je viens de me couler une bielle terrible, j'ai plus un pet de cuisse. Tant pis, on redescend et puis on verra bien ce qu'on va faire. Même la descente, c'est difficile. Le lendemain, c'est Didier, Pascal, Sigrid, Tachi, Bernard et Jacques qui partent rejoindre le camp 2. Tout à l'heure j'ai eu tout le monde. Hein. Alors qu'est-ce que ça dit ? La radio, alors. Mais c'est surtout les nouvelles des Russes hein, qui sont importantes. Parce que là, les deux derniers Russes, ils ont fait le sommet aujourd'hui. Ouais. Hier. Et aujourd'hui, il y a le Nouvelle-Zélande qui a fait le sommet. Quant à quoi ? 30 ? Pareil. 35 ? Pareil, ce qu'il y a, c'est le vent. C'est la balle qui fait le. Vouloir baisser le sommet. Après une nuit plutôt bonne, par grand beau temps, nous partons rejoindre Cédric, Mig, Fifi et Richard au camp 2 avancé. Richard a réussi le sommet hier, Mig et Fifi l'ont fait aujourd'hui, ils en arrivent. Oh, il a guidé, il est obligé à bonheur avec son clash au menu. Oh, t'as chuché, il a tout donné la flatte. Alors après, il a fait quoi, il t'a suivi ? Richard a fait le sommet hier, il a pu récupérer aujourd'hui. Mig et Fifi, arrivés du sommet il y a moins d'un quart d'heure, sont certainement plus fatigués. Merci. Eh ouais. Dans la même voie que le russe. Hein, t'as entendu le russe, je peux plus parler. Fifi a les doigts légèrement gelés, mais rien de bien grave. Moi j'avais deux corabines. Et la corabine, tu l'as prise ? Ouais, deux corabines du coin, j'ai celui des cadrans. Il en reste là, la corabine ? Ouais, moi je m'en suis pas servi. Il en a voir, moi j'en ai pas. Caméra. Ah, si la caméra, je la prends. Ce matin, à 6h, nous sommes partis pour le sommet. Voilà. Nous avons quitté le camp 2 avancé, il y a bientôt 2-3 heures de temps. Moi, j'avais un pied qui gelait, donc j'ai dû retourner au camp. Si bien que Tachi, Pascal et Didier m'ont un petit peu distancé.
Le sommet pas loin, mais on n'y est encore pas. Bon, 7006, 7007. Putain, c'est dur. Pascal, hop. Mais c'est bien parce que on est en Himalaya, qu'on vient d'en dépendre comme ça, il perd pas grand chose. Parce que dans les Alpes, et on s'en est pas venu, on a fait demi-tour. 8000 mètres. Tachi, merci pour la trace. Et puis Pascal, chapeau. We are lucky, no wind, yeah. We are lucky, no wind. Ouais. Sûr.